savoir comment ça allait ce matin. Il est tôt. Il est très tôt. En pleine forme, un peu frais. Ça va bien se chauffer, mais ça va. Mon Skygram, il fait vraiment froid là. Donc du coup, vous êtes tout seul là? Ils vous ont tous abandonné? Bah oui, hein, c'est les banquiers, ça commence un peu plus tard les banquiers généralement. J'ai dormi 4 heures, mais ça va le faire. Forme là, votre équipe derrière? Bon, on va les réveiller, je crois qu'il faut laisser un petit peu le temps et après ils seront en pleine forme. Et le principal, c'est la bonne humeur. On s'est préparé dans la voiture. Okay. On s'est couché un petit peu tard avec l'équipe de foot hier. Et... Je suis parti avec un coach pendant 2 mois et on a fait ça intensivement et je pense que ça va bien se passer. Bah écoutez, ils sont en préparation depuis septembre. Et à côté de ça, il y en a quelques-uns qui jouent en club, donc j'espère qu'ils vont montrer qu'ils ont du talent et qu'on ne fait pas des séances pour rien. deux axes stratégiques forts, au vert. Rouge ou blanc plutôt alors? Pastis, jaune. Et par mail, énormément par mail. D'accord. Beaucoup de débats tactiques par mail. Oui, non, nous, par Skype. On a fait l'entraînement par Skype. Un objectif sportif très ambitieux, c'est de finir dans le dernier cinquième. On a perdu en quart de finale, donc 2 années d'affilée. Donc bon, on va essayer de au moins atteindre les demi, quoi. Ce serait bien. De se faire détecter pour l'équipe de France. On a dit qu'Aimé Jacquet était là, Raymond Domenech, donc on a joué notre chance à fond. Quoi. Gagner, oh, c'est ça, gagner. Pour gagner, regardez comment il est habillé, regardez comment on est habillé, on n'est pas là. Pour vendre des cravates. Voilà, c'est ça. Donc on souhaite bonne chance à tout le monde, mais on sera là. Ah, on tient le haut du pavé là, on est vraiment des champions. Pas du tout de stress, confiant. On sait ce qu'on est capable de faire, donc on va essayer de le prouver ici. Contre les trentenaires là, ça vous fait pas trop peur? Bah non, on est plus vifs qu'eux, on a plus d'endurance, on est plus jeunes, donc c'est bon, ça va aller. Et prêt pour 9h? Ça va bientôt démarrer là? Prêt, oui, bien sûr. Fin prêt, là. On a mis un petit peu de schnapps là, dans le café, c'est bon. On va bien. Vous êtes en train de faire une sortie de danse. Voilà, au nom de tous les jeunes de sport dans la ville, je voulais vous dire un immense merci parce que c'est par votre présence aujourd'hui eh bien, que nous allons pouvoir permettre de faire aboutir ces 2 nouveaux projets et de continuer à faire grandir et avancer nos jeunes dans leur réussite et surtout vers leur projet d'insertion professionnelle, puisque plus les jeunes de sport dans la vie grandissent, plus nous essayons de les accompagner sur ces dimensions fondamentales pour leur vie. Donc un immense merci à vous.
Bonne fête, ma mère. Vous avez des attaquants ou... Non. Ah, oui, là, ils sont là. Ils attaquent beaucoup, c'est sur le vent. On va profiter. Le challenge, c'était que si on perdait, qu'on se qualifiait pas et rentrait à pied, imagine Clairefontaine à Sarcelles, ça fait énorme. Voilà. Donc ils ont relevé le challenge et puis ils ont gagné 3 matchs et on est qualifié pour les 16e. Alors il y a eu une première dans notre tournoi but en or ce matin. On a un grand joueur de l'équipe de Steph Rungis qui a mis pour la première fois 3 buts contre son camp. Et on aimerait avoir un peu ses impressions parce que c'est quelque chose qui a illuminé le tournoi ce matin. Donc 2 buts de la tête et 1 but de la cuisse. Bon bah les buts sont mal indiqués. On m'avait pas dit qu'il fallait pas marquer dans notre but. Donc je tiens à m'excuser auprès de mon patron qui va venir tout à l'heure alors qu'on est éliminé. Et auprès de mes coéquipiers hein, bien sûr, qui eux ont tout fait pour m'éviter de marquer, mais j'avais pas compris que je tirais dans le mauvais but. Donc pardon les gars, excusez-moi. Et l'année prochaine ? L'année prochaine, promis, je me mets dans une autre équipe. Vous êtes en train de préparer le match de cet après-midi là ? Ah bah là on répète là. Michel Black pour Narev. On s'est dit qu'on pouvait prendre la coupe tout de suite, mais bon. Mais par respect pour les autres, on va les rencontrer, on va faire le boulot et on prendra la coupe après. Pour nous, c'est juste fantastique d'avoir accès aux installations pour pouvoir justement partager avec les collègues de boulot. Et en plus, comme au classement, ça se passe pas trop mal, donc on a bon espoir pour l'après-midi. Très bien, voilà, merci. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Pour cette finale, nous aurons les deux dernières équipes qui sont Steph Bondoufle 1 contre Steph Attis 1, les deux équipes finalistes. Deuxième place à ce tournoi du Cordon.